وكفى سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا متعنا بمحبتك واحضرنا في حضرتك وبارك لنا في بركاتك، امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. En quelques mots, je vais vous rappeler les trois derniers versets du chapitre de la Sourate Al-Hajj. Wallah, alladhi la ilaha illa hu, alimul ghayb wa shahada, huwa ar-Rahman ar-Rahim. Wallah, alladhi la ilaha illa hu, al-Malik, al-Quddus, al-Salam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله العمل في الكون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، هو العزيز الحكيم. هو الله سيدي سلك يا سيدي، والله الذي لا اله الا هو، aucune divinité autre que lui n'est adorable. Elle n'a aucune existence et aucun attribut qui lui vaut quelque chose pour l'adorer. Wallah alladhi la ilaha illa hu, alimul ghayb wa shahada, il est le connaisseur absolu du monde invisible et du monde sensible. En signe un dossier. Wa Rahman Rahim, c'est lui le tout, nous écoutons Dieu. Et le très, nous écoutons tout le monde. Très ou le très. Quoi? Wallah, alladhi la ilaha illa hu. Toujours, il rappelle qu'il n'y a qu'un seul, c'est lui-même Allah. والله الذي لا اله الا هو الملك الروع الصلب القدوس الى يرسل الصلب الى الصلب السلام سبيل لا بي الى صوت توب بي المؤمن سبيل كي سيكوريز qui n'a jamais été de sa vie, etc. Donc c'est rassurant. Ça apaise et ça sécurise. Al-Mu'im. Oui, parce que Mu'im, c'est-à-dire, il supervise tout, il domine tout. Donc on est tranquille. Lorsqu'on reconnaît en lui le maître, c'est-à-dire le créateur, le superviseur, etc., on est sûr qu'on n'est pas dans un monde de risque, qu'on ne va pas vraiment jouer à n'importe quoi. On va faire uniquement ce qu'il veut. Et dans notre intérêt, parce que quel que soit le créé, ça ne lui affaiblit pas, ça ne lui donne aucune possibilité de surmonter son verbe. Ça va nous faire. Et non, escape, on ne peut pas dire à ce Dieu-là qui domine, qui domine l'espace en tout ce qu'il y a là-bas. Wallah, il a dit là, le Malik, le Abdou, le Salah, le Mu'min, le Mu'ani, le Aziz, le Puissant, personne ne peut vaincre, le Aziz, le Tata, le dominateur à 100%. Elle met à 4 ans. Ça dit aucun autre que lui ne peut y être égal. Subhanallah, Dieu est au-dessus de tous les attributs galvaudés par les polythéistes. Aucun égal. Mon nom est polythéiste. Voilà. Toujours, c'est lui, aujourd'hui,
n'y a aucun doute, doit y avoir un créateur. Un créateur, c'est Dieu Allah. Voilà, Khal, créateur, El Père, qui donne l'existence à ce qui existe. Al Khal, c'est Al Moussaou, dans la forme, dans les formules aussi, à tout ce qui a une forme ou une forme. Al Moussaou, là où Asma Al Husna, il a tout une vous attribuez. Là où Mat Samawet, Wal Al, là lui appartient tout ce qui est dans le firmament, et dans la forme, tout ce qui est. Voilà, la vie qui est le plus puissant et le plus sage, salam, à la montagne.